ここにある。超短小政治家をもう一人の私に繋がるロジック。噛み合う運命にねじれていく歴史は。超次元対戦ネプテューヌ VS セガハードガールズ夢の合体スペシャル。Bon, eh bien, les amis, vous vous doutez bien que c'est pas totalement fini. Il faut y aller maintenant. Il faut finir. Il faut qu'on trouve la Golden Tooth. Donc, ça, c'est Cube Gear. Il faut qu'on aille taper des squelettes. Le Radisher, je ne sais pas où il se trouve, comme d'hab. Et on va aller taper les Shoe et Bill. Oui, parce que maintenant, vu qu'on a vu la fin normale, il faut qu'on aille taper. Enfin, il faut qu'on aille chercher la fin parfaite. Vous vous doutez bien que je peux pas laisser ça comme ça. Donc on va finir l'épisode sur la recherche et tout, et normalement le prochain épisode je vous mettrai le combat complet face au Time Eater. Oui, parce que alors là c'était pas fait exprès du tout, hein. J'avais pas le choix de toute façon. Je vous mettrai le combat complet contre le Time Eater pour l'épisode final. Donc je pense que dans 15 jours vous aurez l'épisode finish. Tout de suite, bon, on va partir sur Lungeon, voilà. On va aller chercher Shiobi, là, donc Golemax Ravine et Golemax Sud. Donc, on va partir dans la zone de Dreamcast vu qu'il reste plus que Dreamcast à faire. Et la Golemax, je ne l'ai pas. Fuck. Bon, on va parler à tout le monde, voir, ils vont peut-être m'adonner. Vous allez m'entraîner, ok. Pendant 5 heures, ne t'inquiète pas, un technicien viendra dans 5 heures. Ok. J'ai chassé le jour, je suis venu à travers ces ruines. J'ai pas vu ces ruines avant la zone, avant. C'est peut-être une nouvelle découverte. Ouais, je suis content, je suis un chasseur. Mes instincts de chasseur me disent que ces ruines sont dangereuses, mais faites attention. Ok. Bon. Qu'est-ce que tu nous veux, toi? Il y a une légende de certains entrepôts, une légende avec un miroir. Je suis sûr que tu as déjà entendu parler de ça. Ok. Parce que toi, troll ruine. Ok, donc ça, c'est ce qu'ils nous ont dit. Save et sauvegarde. Je suis allé plutôt loin dans le jeu, j'ai un item super rare. Si je perds ma sauvegarde, et bah, ce serait vraiment la chose la plus horrible qui se passera dans ce monde. Ok. Donc on n'a pas le machin ici, on sait qu'on peut le retrouver. Voilà. Donc convainc Uzume. Ça c'est la fin du jeu. Voilà, on en est pas loin, on a juste ça à faire. Faut finir tout le reste. Et après je vous montrerai la vraie fin. Donc, on va finir un jeune déjà. On va aller taper catch. Donc on va aller sur Sega Saturn. Voilà. Et après, promis, on finit Dreamcast. Qu'est-ce que tu veux, Saturn? J'ai atteint un nouveau cap de class level. Ok, donc ça c'est pour atteindre le niveau 50, je pense. Donc c'est Shoe et Bill qu'il faut qu'on aille taper, c'est ça? Je m'en rappelle déjà plus, c'est impressionnant, hein. C'est ça, c'est Shoe et Bill. Donc ça, ça veut pas Shoe et Bill, si je dis pas de conneries. Cardbox, c'est sûr.
Bon, de toute façon, ils vont pas me faire grand dégâts. Voilà. Est-ce que c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ce que j'ai besoin de taper. On va dégommer ça avec lui. Rapproche-toi. Voilà, parfait. Rapproche-toi de Plurut. Voilà. On est à moitié bon. Hop, l'autre cheville, il est là. Et après, c'est parti pour l'histoire. Mince, faut que j'en frappe un autre. Voilà. Et hop, c'est fini. On en parle plus. Merci, Net. Merci, Yves, pardon. Où c'est que j'ai trouvé ces trucs-là? Tiens, on va essayer de retaper ça. Ça se trouve, on va en avoir un. Ça va bien. Mince. Bon, on va finir ça rapidos. Oh, ici, j'ai pas fait gaffe, mais elle est pleine OSP, donc ça, c'est bien. Ou alors, je quitte et je reviens dans le donjon. Ouais, c'est peut-être pas une trop mauvaise idée. On perdrait pas trop de temps. Je pense que c'est ce qu'on va faire. On va quitter et revenir. Ah bah non, il est là, regardez. Voilà. Notre dernier ennemi est ici. Voilà, donc ça c'est fait. Hop. Et on peut quitter le donjon. Allez, on revient à la bibliothèque. Et on va aller chercher le zoomer. Ok, donc ça c'est la classe de Saturne. Il manque plus grand chose en fait. Bon. Allez, c'est parti. On va convaincre Uzume. Là, ça va être très dur. C'est là l'event? Ouais, c'est là. Eh ben, c'est parti. Oh waouh! Quel est cet endroit? Ça a l'air tellement ancien. Ah, on dirait la fin du 1! Je suis inquiet de savoir si ça existait dans le temps de Neptune. Ça m'a pas l'air familier. Bien sûr que ça ne l'est pas. T'as une moto sale et. Parce que tes yeux sont probablement trop attachés à ce que tu ressembles. Mais je veux dire que ça a l'air vraiment bizarre. Probablement je pourrais pas reconnaître même si j'y étais déjà venu ici avant. Oh tant pis Neptune. Calme-toi un peu ces gamins. Enfin bon, est-ce qu'on devrait aller vérifier? Attends, je pense qu'on est un peu court au niveau temps. Allez, ne sois pas si embêtante. Le trésor des chasseurs est juste devant moi, je suis juste un peu curieuse, on peut pas passer à côté de ça. Le chasseur des le trésor des chasseurs. Je pensais que t'étais pas tellement une aventurière, que t'avais pas besoin d'argent, espèce de pirate. Oh arrête d'être comme ça. Tu sais quoi? Je veux dire, est-ce que t'es prête? Allons-y. Hey, je suis pas d'accord avec toi. Oh, c'est rare de voir les yeux d'Ifi briller comme ça. Je suppose que je peux rien faire. Une petite exploration, ça fera pas de mal. Ah, toi aussi, ça l'a pris une auto? Bien, bon, bah, on va juste vérifier pour quelques minutes. Bon, et bah, c'est parti pour l'event, on peut y aller? Allez. Ok, bon, c'est l'héroïne. Attends, on va rencontrer Uzume là-dedans. Et moi je casse tout comme un gros bourrin. Pas grave, c'est drôle. Ok, l'event est par là-bas.
c'est quoi les ennemis? Ah tiens, ça doit être ça un radisher. Ah, j'en suis quasi sûr maintenant. Gagné. Mais c'est quand même pas fort, la mère. La mère Segami, pardon. Voilà, ça c'est fait. Allez, c'est gagné. 50 000! Bon, je crois que je vais avoir besoin de farmer un peu par ici avant. Avant d'aller taper le time meter. Bon, quoi qu'il en soit, vous êtes prêts? Non, 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 pas autant. Allez, c'est parti. Oh, comment charge la fibre en 30 secondes? Oh, 137 000. Il en reste un. Voilà, c'est fait. Allez, vous êtes prêts? C'est parti pour l'event. Ah, celle-là fait vraiment mal. J'espère qu'elle me tapera pas si fort. Non, je peux pas me plaindre à propos de ça. Uzume a du travail, à faire pour garder ce monde de la disparition. Je dois gagner la prochaine fois. Et puis... Je pense que j'ai entendu une voix trop mignonne. Oups. Vraiment? Tu entends probablement des choses. Non, sérieusement, je pense que ça vient de par là. Ouh, bon Dieu, qui êtes-vous? Ah non, c'est pas vraiment mignon. Tu nous as menti, If. Je suis d'accord avec Segami pour cette fois, Ify. Eh bien, ces mots sont un peu durs, mais elle a vraiment l'air mignonne. Hey, écoutez-moi! Non, tu vas nous écouter. Quoi? Qui est-elle? Pourquoi elle essaye de me diriger comme ça? Segami l'a choqué. Enfin, c'était un peu impressionnant. Pourquoi, bon Dieu, voulez-vous me parler? Arrête de discuter avec Dreamcast. Hein? Je sais que tu m'as entendu, tu ferais mieux de faire ce que j'ai dit. A plus. Attends, attends une minute, ne sois pas stupide. Ce monde est censé dessous, déjà. Si je la laisse toute seule, eh bien... Fais comme j'ai dit. Tu n'as pas idée de ce qui se pourrait se passer. Ok, c'est juste un peu rapide de ce côté. Tout le monde, et on se calme. Attends, j'ai pas tout compris, la Népi. Et tu espères que je vais croire à tout ça? Oui, j'espère. Waouh, on est vraiment allé rapidement ce coup-ci. Comment on a pu faire ça? Eh, pouvoir d'une moto, hein, tu sais. Je peux pas aider et je déteste rester assis à rien faire. Eh bien, si tu calmes cette petite, je peux attendre dans les parages.
Vraiment? Génial, ok. C'est promis? Ça veut pas dire que je vous crois, hein, déjà. Mon corps est fatigué, vous avez de la chance. Jusqu'à temps que j'ai retrouvé toute ma force, je ne laisserai pas vous déranger. Ok, très bien, peu importe. Je peux travailler avec ça pour maintenant. Pourquoi es-tu si travailleuse? Bon, bah, si t'es heureuse, allez-y. Je sais pas qui et ce que je dois réellement faire. D'accord, mais tu dois... Tu ferais mieux de tenir ta promesse. Oh, attends, j'ai une question. Quoi? T'es une moto? Quel genre de question pourrais-tu avoir? Ton traitement envers la discrimination envers les personnes moto, mais tu es à peu de puissance pour maintenant. Es-tu la personne derrière la voix trop mignonne qu'on a entendue plus tôt? Non, c'est pas moi. Je t'ai entendu toi, il n'y a personne d'autre dans les parages. Ça doit être toi. Tais-toi, c'était pas moi. T'es en train de rougir. Ouais, si t'étais pas si défensive maintenant, tu nous auras avec toi. Tu l'as admis en fait. Eh ben va-t'en maintenant, laisse-moi. Cool, on va voir le clone de Zoomé. Allez. On tourne dans la grande librairie. If, le clone de Zoomé est maintenant disponible. Merci Histoire, je suis sûr qu'elle va être une grande aide pour notre investigation. Voilà. Donc on a toutes les hardgirls. Voyons voir. Le skill des bracelets inclus. Comment on peut ajouter ça? Je suppose que je faut être un peu créative pour la formation des skills. Ah c'est ça, je vais mettre ça en bon usage. Un common skill bracelet a été ajouté. Je suppose que ça peut être mis entre parenthèses. Ok, qu'est-ce que tu nous veux toi? Ça fait longtemps que j'ai ça, je peux pas... Je peux pas utiliser mon téléphone en même temps. Mais tu devras pas... Tu vas courir dans des choses ou pire. N'essaye pas ça, Tom. N'essaye pas ça à la maison, les enfants. Le kinescope, ok. Ne dis rien. Ok, bon, soit. On a quelque chose au grand atrium, mais qu'est-ce qu'on a en mission? On va convaincre Zoomé, du coup on va reporter ça. Et qu'est-ce qu'on a en nouvelle mission? Ok, donc ça c'est ajouter des slots de skill. Du coup on va se rendre au grand atrium, on va aller voir l'événement qu'il y a. Ça va être encore un objet à la con à aller chercher. Rapidos. Ah oui, par contre, je peux pas changer de perso entre. Il y a que ici ou Segami. Je peux pas diriger même Nepi ou les clones des Saga Radio. Je peux pas. Enfin bon, c'est pas grave. Allez hop. On va chercher l'event Rapidos. Comme ça, ça va nous débloquer ou zoomer. Ah, Slicer LG plus 5, ça peut être pratique. Du coup, on va tout de suite. C'est dans le. Non, c'est dans Statue, c'est ça. Bah oui, on va augmenter un peu la force. Voilà. L'émission sélectionnée. Emergency Request.
On était capable de faire une pause entre leur bataille maintenant. Allez, good for now. C'est parti, ça on ira chercher après. Et ce sera hors caméra. On va faire l'aventure en Dreamcast et après je me débrouille. Allez, c'est parti pour l'event. En dépit de tout ça, on est actuellement capable de garder ces choses. Ces deux loin de la bataille pour un petit moment. Je suis un peu surprise. Et bah tout ça c'est parce que j'étais capable de convaincre elle-même. J'avais une voix spéciale pour les gens, tu sais. Tu dois juste être capable de lire dans les personnes et puis c'est tout. Ouais. Garde ça pour toi-même. Tu sais, on va juste se battre. Enfin bon, t'es bon avec ça? Et pourquoi tu dis ça? Penses-tu réellement que tu peux faire changer le cœur de quelqu'un en fonction de ce que tu dis? Eh bien... Ne la blâme pas avec... ne lui pose pas des questions aussi difficiles. Hé, hey, Ifi, dans ta zone, il n'y a vraiment aucune déesse ou ses gardes gueule du tout? Ouais, j'ai jamais entendu parler de ça avant de voyager dans le passé. Eh ben, tu penses que c'est terminé avec un dessin épique? C'est dur à dire, mais peut-être qu'un des deux côtés a gagné. Peut-être qu'il n'y a plus de déesse ou de Sega Hard Girl qui sont nés après. Je sais pas. Peut-être que ta théorie est plus plausible. Ça n'a pas l'air vraiment plaisant. Je veux pas voir ça. Tu ne dois pas. Je ne laisserai pas ça arriver. Plus facile à dire, l'histoire a déjà décidé. As-tu au moins une idée? Eh bien, je suis en train de penser à quelque chose. Juste ne perds pas ta tête dans le procédé, d'accord? Même si on laisse des choses, il y a un petit goût en bouche. On doit attendre et de voir comment cette bataille va se terminer. C'est tellement dramatique ici. Je suppose que il n'y a pas moyen de t'appeler d'appeler la chance pour maintenant. Juni. Ah d'accord, est-ce que j'ai dit ça? Je veux dire, Shui, donc mâcher, en fait, tu ne perds jamais un moment pour mâcher tes mots, en fait. T'es tellement méchante. Ok, c'était vraiment inattendu. Ne donne pas ce regard. Oh mince. Je pensais être équipé de ma poker face, mais bon. Que veux-tu dire? Non, t'as vraiment aucune expression. Allez, Segami. Eh bien... Je n'ai pas abandonné. Hein? On va être capable d'arrêter le combat pour un moment, tu sais. Ici, il y a quelque chose qu'on peut faire. Donc je vais arrêter de penser à ces idées avant que ça soit fini. Ah non. Donc qu'est-ce qui se passe ensuite? Est-ce qu'on va attendre qu'il commence le combat à nouveau? Je t'ai déjà dit que ça allait pas arriver. Eh bien, on n'a pas été capable de parler à quelqu'un dans cette zone non plus. On était plutôt occupé depuis qu'on est venu ici. Ah ouais, t'as raison, peut-être qu'on devrait juste se balader et aller voir si on trouve pas quelque chose dans d'autres zones. Non, c'est pas juste regarder comme ça vite fait. C'est appelé de l'investigation et de l'observation.
Est-ce que tu veux faire ça, Segami? Je viens avec vous, assurément. Je veux trouver des indices tout au long du chemin. Ouais, t'es persistante cette fois. Ah, laisse-la faire ce qu'elle veut. Sinon, elle ne va pas nous entendre jusqu'à la fin. Ouais, si je peux trouver l'un de ses faiblesses, peut-être qu'on pourra lui envoyer une lettre ou quelque chose. Ifi, elle a vraiment l'air d'une genre de criminelle. C'est vrai, elle va actuellement avec quelque chose comme ça. J'aurais une vraie raison de la taper si elle fait ça. Ok, bon, retour à la bibliothèque. Ok. Voilà, nouvelle mission. Visiting Dreamcast. C'est parti. Pour ça, je m'en occupe après. Hein. Ah oui, l'épisode est beaucoup plus long, mais c'est pas grave, on verra bien plus tard. Hein. Azik Ren. Oh, Azik! Ouah, trop fat! Trop fat la zone! Ah, j'adore! Est-ce qu'on peut péter les poubelles? Oh oui, c'est bon ça! Bon, faut que je fasse. Oh, excellent! Putain, elle est grande la zone! Il vient connu, je t'embrouille. Ouah, mais c'est quoi ce bordel? Elle est immense la zone. Je sais même pas par où je dois aller moi. Ah, si la flèche, elle m'indique le nord ou elle m'indique la sortie? Je ne sais pas. Ok, bon. Ouais, beaucoup de choses, faut être fort, les gens. Ouais. Putain, elle est immense la zone. Bon, elle est où l'event? Parce que je tourne en rond. Non, je tourne pas en rond. Si exit, elle est là, la sortie. Il est là l'Yvette. Allez, c'est parti, Yvette. Eh bien, tout va mieux maintenant. Merci. Non, c'est pas un problème. Fais attention à toi, d'accord? Ok, je vais faire. Salut. Ok, donc, quel est le prochain? Dreamcast, qu'est-ce que tu fais ici? Oh, salut Segami! C'est pas évident? Tu n'as pas d'amis à ton âge? Je sais pas si elle va être capable de répondre à ça, Annette. Ça devient vraiment bizarre. Qu'est-ce que tu fais réellement? J'étais en train de réparer mon programme. Ça fait longtemps depuis que j'ai été lancé et il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes. C'est pas un travail difficile? Non, pas vraiment. On a vendu quelques unités seulement. Oh, je vois. C'est un peu embarrassant. Non, ça ne l'est pas. Il y a pas beaucoup de gens qui vivent dans cette zone, bien sûr. On n'en a pas envoyé beaucoup.
Vrai, n'est-ce pas? Oui, c'est totalement vrai. C'est une console solide. Je pense que si elle était dans une zone un peu moins turbulente, elle serait vendue beaucoup plus. Sérieusement, juste au mauvais moment. Je vois. Je suis plutôt plus que sûr que je peux entendre le cœur de, Dreamcast qui se bat. Enfin bon, dans tous les cas, c'est vraiment impressionnant que tu arrives à réparer les problèmes toi-même. C'est vraiment sympa. Pourquoi tu fais pas ça, Nep? J'aimerais le considérer. Comme si elle changeait de rapport au moment où les lumières s'allument. Pourquoi êtes-vous tous ici? Avez-vous été capable de parler à Azure? Oui, je lui ai fait promettre qu'elle ne se battrait plus du tout. Es-tu vraiment sérieuse? Elle a un appétit pour la destruction, je te crois pas du tout. Oh, calme-toi. Elle l'a vraiment dit. Elle ne pourrait pas se battre, même si elle le voulait. Elle te laisse tranquille depuis la dernière fois. Je vois. Eh bien, je pense que je peux me concentrer sur mon job actuel pour un petit bout de temps. Quand je suis dans ce genre de bataille, je me néglige, je néglige pourquoi je suis là. Pendant une seconde, je pensais que t'allais pas nous croire. C'est juste que vous ne connaissez pas Uzume comme moi. Elle est vraiment gentille. La façon de me battre est vraiment admirable. Ouais, enfin, je comprends pas tout. Ça, c'est ma déesse, Uzume. Même si elle respecte même ses ennemis. Je veux dire, elle est vraiment stupide et sale et irritante. Mais je connais pas grand chose à propos d'elle. Tellement impressionnant. Et oui, classique Uzume. Peut-être qu'Uzume et moi devrions avoir une bataille finale après qu'elle se soit rétablie. Pourquoi vous parlez toujours de combat? Vous avez promis de ne pas vous battre. Tout ce que j'ai dit, c'est que ça fait que je la battrai pas pendant un beau temps. Si Uzume essaye de me trouver dans un parage, je vais pas me retenir. Ce monde en a assez de ce genre de bataille. Et tu peux pas blâmer Uzume pour tout ça. Si tu insistes pour arrêter ça, je vais être forcé de vous combattre à nouveau. Vous ne serez pas aussi chanceux la prochaine fois. Tu ne dois pas être comme ça envers nous, j'ai juste... On a fini ici, Segami. On est en plein milieu de notre observation, donc on ferait mieux de partir maintenant. Ah, vous étiez en train d'observer? Eh, allons-y, j'ai tellement de choses à dire. Nep, on y va. Ok. C'était quoi tout ça? Ok, alors on va faire juste ce qu'ils disent. La jeunesse me prie, les vétérans me regardent de haut bas. Je suis un aventurier intermédiaire, c'est pas facile. Ok. Allez, c'est parti, retourne à la grande bibliothèque. Est-ce qu'on peut enfin avoir le dernier combat, s'il vous plaît?
Allez, c'est parti. Select. Bon, eh bien, ça sera pour le prochain épisode, la visite d'Uzume. Donc, ça sera pas l'épisode final dans 15 jours, mais dans un mois, voilà. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à laisser un max de commentaires, ça fera super plaisir. Moi, je vous dis à dans 15 jours pour le prochain épisode. Et à vendredi pour l'épisode sur Hyper Dimension. Allez, tchuss tout le monde, à la prochaine!